Le Parlement en déplacement pour des questions de santé à l'hôpital d'instruction des armées puis au CHUD Borgou, ce n'est pas un paradoxe. C'est l'une des prérogatives des élus du peuple qui leur permet de jouer convenablement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. L'Achia de Parakou, un hôpital qui se situe au sommet de la pyramide des hôpitaux du Bénin, a eu le mérite d'offrir à ses visiteurs quelques particularités. Les particularités des hôpitaux militaires sont les meilleurs résultats, la rigueur et la discipline de tous les instants, la disponibilité permanente des cadres qui travaillent, la discrétion, la courtoisie, le respect du secret professionnel et la sécurité des malades. Partout où nous passons, dès que les gens présentent leurs institutions, ce qui suit, c'est souvent une plainte, une suite de plaintes et de lamentations. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience particulière. Dans la dignité, la noblesse, hein, dans une dignité, une noblesse sans pareil, le directeur de l'hôpital a présenté son institution et s'est abstenu de nous présenter les difficultés. Vraiment, j'ai été marquée. Dans les différents compartiments visités à l'Achia, tout comme au CHUD Borgou, la délégation parlementaire note du dynamisme et de la motivation des agents, des formations sanitaires d'une part et d'autre part, des progrès réalisés au niveau de la gouvernance qui ont permis de révolutionner le secteur de la santé. Une certaine volonté commune de construire ensemble cette maison, de l'élever, d'en faire la meilleure maison de la santé possible. J'ai vu à travers les uns et les autres, quel que soit leur statut, une certaine fierté dans le travail qu'ils font. Cet enthousiasme-là, je voudrais qu'il soit contagieux à travers tout le pays. Nous n'écoutons pas pour oublier, nous écoutons pour interpeller. C'est ça notre rôle. De cette tournée parlementaire sont attendues des recommandations pour la suite à donner au processus. Il y aura un atelier à Cotonou où la délégation va partager avec le reste des députés au Parlement et les résultats. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une balade, c'est une étape dans un processus qui permet aux parlementaires de tenir compte des attentes des citoyens à la base pour légiférer, pour faire le contrôle de l'action gouvernementale et bien évidemment dans leur rôle de représentant. Le gouvernement chargé d'appliquer les politiques publiques se doit de répondre à une éventuelle interpellation de l'Assemblée nationale sur la question s'il s'avérait qu'il y a des actions à mener en faveur des citoyens béninois qui ne l'ont pas été.